Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le facteur est passé. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu les deux nouvelles box d'octobre de la boutique Poussière d'étoiles. Voilà, donc la boutique à Sabine. J'ai eu la box broderie d'octobre et j'ai eu la box aimant à aiguille. Voilà, alors toutes les deux sur le thème de l'automne, on est en plein dedans. Alors on va ouvrir laquelle d'abord? Je vous montre d'abord les enveloppes. Voilà, bon, vous les voyez en miroir hein, mais ça c'est les aimants, ça c'est la broderie. Allez, on ouvre la plus petite avant. Alors, toujours la petite étiquette sur le sachet. Merci de soutenir ma petite entreprise. C'est ce que j'essaye de faire au mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a de joli ici ? On a toujours le petit papier qui explique comment utiliser les aimants et le petit papier de remerciement pour la commande. Également, alors, un petit sachet avec les petits cadeaux. Ah, oh, bah alors, j'ai plus de force. Donc, un petit stickers, voilà, marqué Hello Automne en anglais. Un petit sachet de thé, comme toujours. Sa petite carte. Et maintenant, on va découvrir les deux aimants. Voilà, un petit sachet craft et avec les deux petits stickers très jolis qui disent Thank you. J'essaie de pas abîmer le stickers à chaque fois. Bon alors, tu veux pas sortir? Tu veux pas venir te faire voir? Bon, elle veut pas. Elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Bon. Comment t'as fait pour le mettre dedans, Sabine? Elle veut pas sortir. Ah. Bon bah tant pis, je vais devoir craquer le sachet. Ça veut pas. Voilà. Voilà. Oui, c'est joli. Voilà. Le premier aimant. Une petite enveloppe avec des petites fleurs d'automne. Ensuite, le deuxième. Oh, c'est joli aussi. Une petite couronne de tournesol avec un petit oiseau. Un petit rouge-gorge, je pense. Joli, joli, joli. Donc, voilà les deux aimants. Sachet. Voilà pour la première enveloppe. La deuxième. Alors. Et bien scotché, hein. Voilà. Belle chose. Et là, bon, c'est vrai que c'est la surprise complète puisque on ne sait jamais ce qu'on a dans la box. Oh, 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 c'est sympa.
Alors, que je vous... Waouh, on a plein de cadeaux cette fois-ci. Super. Donc, toujours le petit papier pour la toile, pour expliquer comment se... entretenir. Ah oui. Maintenant, les box, si on souhaite, on peut demander à recevoir en plus le PDF. Voilà. L'aimant aiguille, le petit mot pour remercier. Ah, là, il y a un nouveau petit mot. Alors, contenu de la pochette. D'accord. Alors, ben, je vais pas vous lire tout de suite. Je vais vous faire... je vais vous montrer au fur et à mesure. Bon, là, je ne vais pas l'ouvrir, mais c'est les petits cadeaux. Donc, le petit sticker, le petit paquet de thé que l'on a à chaque fois. Qu'est-ce que je vous montre en premier? Allez, le fil. Alors, on a du fil teinté main. Donc, c'est fait sur du coton mouliné DMC. Le thème, c'est automne. Donc, cette fois-ci, c'est un fil teinté, mais d'une seule couleur. Voilà. Donc, en marron, très joli. Vraiment très, très beau. On a ensuite une toile pour broder notre broderie. Normalement, la toile doit être bonne. Voilà. Alors, elle est teintée jaune, comme ceci. C'est pas un jaune criard, hein, c'est un joli jaune. Voilà. Donc moi je l'ai pris en étamine. Vous pouvez choisir de l'étamine ou de l'Aïda quand vous demandez vous achetez la box. Ensuite, elle nous a mis cette fois-ci un petit sac comme ça en coton. Avec fermeture hop, pour faire le petit pochon. Voilà. Donc, comme c'est noté sur le papier, c'est un petit sac en coton, 25-30 cm, pour ranger notre broderie. Voilà. Ensuite, elle a mis un stylo, comme ça, couleur or. Voilà. Alors, sur la petite explication, c'est un stylo permanent couleur or pour personnaliser votre sac. Voilà. Donc, si j'ai envie de faire un dessin sur mon sac, ben, je peux utiliser le stylo. Voilà. Allez, on va découvrir maintenant l'aimant. Oui, il y en a encore un. Hein. Alors, qui correspond à la toile. Enfin, pas la toile, à la grille de broderie. Donc, voilà. Hello automne et la grille maintenant de broderie, la voici. Je vous mettrai des photos pour que vous voyez l'endroit. Donc, avec des jolies couleurs automnales, des petits champignons, des petites feuilles, voilà, des petites baies. Alors, c'est un ouvrage qui fera 180 sur 130 points. Donc là, bon, je ne vous montre pas la grille, mais vous avez plusieurs pages, donc avec la grille dedans. Et derrière, vous avez toutes les références DMC pour broder, pour les fils. Et puis quelques petites explications en même temps. Alors, je vous montre juste un petit morceau pour vous montrer. Voilà, vous voyez. C'est imprimé en couleur sur la grille. Et en tout, il y a 6 pages. Voilà, il y a 6 pages. Et ben écoute, Sabine, encore une très belle box. Voilà, moi je l'adore. Bon, je suis très en retard hein, en ce moment pour broder, mais j'ai pas beaucoup de, enfin, j'en fais pas du tout en ce moment, mais je vais m'y remettre de point compté. Mais cette grille hein, est très jolie, comme toutes tes grilles, j'aime beaucoup. Voilà. Allez, je vous remontre alors la petite grille.
le petit aimant qui correspond à la grille, la petite toile en étamine pour moi, le petit stylo permanent couleur or, le fil teint à la main DMC et le petit sac pochon pour ranger tout ça dedans. Et le deuxième paquet, hop, les deux petits aimants, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore les dispos, je vais regarder sur le site, qu'il y ait ou qu'il n'y en ait plus, je vais vous le marquer à l'écran. Voilà, mais bon, de toute façon, je vous remets le lien de la boutique de Sabine en barre d'infos. Et également un code promo qui vous permet de commander sur son site en bénéficiant de 15% de réduction sur votre commande. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir. N'oubliez pas de vous servir du code promo. Moi, ça ne me rapporte rien. Hein. C'est juste pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Allez, Sabine, encore un grand merci pour tes box. Je profite de la vidéo pour vous dire que là, Sabine va bientôt mettre en ligne le calendrier de l'Avent. Alors, il y a eu des précommandes. Donc, là, elle a fait elle a préparé les précommandes. Et il lui reste quelques calendriers de l'Avent qui vont être mis sur la boutique incessamment sous peu. Je vous ferai un message de toute façon dès que c'est en ligne. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Je crois qu'elle m'a parlé qu'il resterait 5 calendriers de l'Avent. Donc, dès que vous le savez, bah, il faut sauter dessus parce que sinon, vous n'en aurez pas. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.